Bonjour, je m'appelle Héloïse Mercier et je suis auteure et comédienne au sein de la compagnie Microscopique. Alors cette semaine au Baou à Château-Vallon, je suis venue écrire. Écrire le prochain spectacle de la compagnie qui va s'appeler L'Émeute. L'Émeute comme l'émeute de loups. Et ça va parler des loups, mais ça va parler aussi des hommes. Ça va parler de la part de loup qu'on peut avoir en nous. Ça va parler d'appartenance et d'exclusion. Ça va parler d'intimidation, de pouvoir. Ça va parler de famille aussi. Et d'ailleurs, en parlant de famille, mon frère, Noé Mercier, qui est comédien, est venu me rejoindre à la fin de cette semaine pour commencer à éprouver cette première écriture au plateau. Et en fait, la question de l'ombre, je ne l'ai pas encore résolue du tout, quoi. Du coup, moi, quel statut j'ai dans cette histoire? Qu'est-ce que je prends en charge au niveau du texte? Et en général, on fabrique des spectacles qui sont assez sonores et assez immersifs. Donc, dès le début, en commençant le texte, on pense aussi déjà au son et à la musique. Et donc là aussi, on est en train de commencer les premiers balbutiements de l'univers sonore de ce spectacle. C'est un spectacle qui va se passer dans la forêt, dans une forme sûrement un peu sombre et assez inquiétante. Et c'est une grande chance d'avoir pu, au milieu de cette période de confinement, d'avoir pu venir à Château-Vallon commencer à écrire ce spectacle au milieu de la forêt.